Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la dernière partie de la génétique humaine, l'Wirathah al-Bashariyah. Et cette partie concerne les anomalies chromosomiques et aussi le diagnostic prénatal des maladies génétiques. Les anomalies d'anormal, ghair'adi, chdoudat, chromosomiques liées aux chromosomes. Diagnostic prénatal. التشخيص قبل الولادة des maladies génétiques للأمراض الوراثية. Et ça concerne les deuxième bac SVT et sciences math A. On va commencer par les anomalies chromosomiques. Observez ce karyotype. Qu'est-ce que vous constatez? Bien sûr, on a vu le karyotype. Ce n'est qu'une représentation des chromosomes d'une cellule qui sont classés selon différents critères comme la taille et la position du centromère. Et on a vu que le karyotype humain est diploïde. Ça veut dire chaque chromosome a son homologue. On a des paires de chromosomes. L'un des deux chromosomes provient de la mère et l'autre provient du père. Et on sait que les deux chromosomes homologues ont la même taille et aussi ils sont constitués par les mêmes gènes. Ils sont responsables des mêmes caractères. تن كل زوج من السبريات فهو مكون من سبريان متماثلين من حيث طبعا القد والمورثات اللذان يحتويان عليها فهما يشرفان على نفس الصفات تن على نفس الموضع سنجد نفس المورثة Observez la paire numéro 15. Est-ce que les deux chromosomes homologues ils ont la même taille? Bien sûr que non. La taille normale c'est celle-là, alors que celui-là il manque une partie. تن تنقصه قطعة هنا. Donc c'est un cas anormal. حالة غير عادية. On parle d'une anomalie chromosomique au niveau de la structure du chromosome. Ala mustawa binyat al-sibri. Observons ce cas-là. Observez le chromosome numéro 21. Normalement, on doit avoir deux chromosomes homologues. Mais ici, on a trois exemplaires. On parle de la trisomie. Thulathi al-sibri. Donc ici aussi, c'est un cas anormal. On parle d'anomalie chromosomique du point de vue nombre de chromosomes. Il y a un chromosome de plus. Et donc, les anomalies chromosomiques, ce ne sont que des changements du nombre, comme ici, ou de la structure, comme ici, des chromosomes pouvant provoquer des maladies et des malformations, qui agissent sur le développement corporel et mental. التي تؤثر على النمو الجسدي والعقلي. Et on va commencer par le premier cas des anomalies du nombre de chromosomes. Commençons par le premier exemple. Variation du nombre d'autosomes. Autosomes, ça veut dire chromosomes asexuels, sibriyat la jinsia. Exemple, la trisomie 21 ou syndrome de Down. Le syndrome de Down, marad Down, ou thulathi sibri 21, c'est une anomalie qu'on trouve chez les mâles et chez les femelles. تنفيه تصادف عند الذكور والإناث على حد سواء. Parce qu'il concerne les autosomes, sibriyat la jinsia, qui sont en commun entre les mâles et les femelles. فهي مشتركة بين الذكور والإناث. Parmi les symptômes de cette maladie, من بين أعراض هذا المرض, un retard mental, تأخر ذهني, de degré variable. من درجته تختلف من فرد إلى آخر. Une petite taille, قامة قصيرة. Un visage plat et rond, وجه مسطح ومستدير. Des yeux bridés, أعين مائلة. Et des doigts courts, أصابع قصيرة. Pour savoir l'origine de cette maladie, on va voir le karyotype de cette fille. Observons ici, on a trois chromosomes numéro 21. Donc au niveau des chromosomes numéro 21, à la place de 2, on trouve trois exemplaires. Donc, il y a un chromosome de plus ici, numéro 21, et ce chromosome qui est à l'origine de cette maladie. Donc, d'après vous, la formule chromosomique, comment elle sera? Bien sûr, elle sera ici 2n plus 1, puisqu'on a un chromosome de plus. Et le nombre sera 47, au lieu de 46 dans le cas normal. Donc, le karyotype du malade révèle la présence du chromosome 21 en trois exemplaires, comme on a vu ici.
La formule chromosomique de l'enfant malade, c'est 2N plus 1 est égal 45A. Ça veut dire 45 chromosomes asexuels, autosomes. Dans le cas normal, on a 44, mais ici, on a un de plus, donc 45 autosomes, plus XY s'il s'agit d'un mâle, d'un Canada car, ou bien XX, comme dans notre cas ici, lorsqu'il s'agit d'une femelle. Cause de l'apparition de la trisomie 21. Faisons un petit rappel concernant la méiose dans le cas normal. Dans le cas normal, on a vu que la méiose se déroule en deux divisions. La division réductionnelle et la division équationnelle. Au cours de la division réductionnelle, on passe d'une cellule à 2N chromosomes, ça veut dire qu'ils contiennent des paires de chromosomes, à des cellules à N chromosomes. Dans ces cellules, chaque paire de chromosomes de la cellule mère va être représentée par une seule copie. Par exemple, chez l'homme, on passe de 46 chromosomes à 23 chromosomes. Au cours de cette division, les deux chromosomes de chaque paire vont se séparer. Chacun migre vers l'un des deux pôles de la cellule et à la fin de la division, on aura des cellules filles à N chromosomes. Au cours de la division équationnelle, chaque chromosome double ici, comme vous le constatez, va subir le clivage de son centromère, Nshetar José Iyelmarkazi, pour que les deux chromatides vont se séparer, l'un vers le premier pôle de la cellule, l'autre vers le deuxième pôle de la cellule, pour obtenir à la fin, à partir de chaque cellule mère des gamètes, quatre cellules filles à N chromosomes. Donc c'est le cas normal. Observons ce cas-là au cours de la division réductionnelle. Qu'est-ce que vous constatez? On a considéré ici que la paire numéro 21. La paire de chromosomes numéro 21 a migré vers l'un des deux pôles de la cellule. Donc, il n'y avait pas séparation des chromosomes homologues. Donc, à la fin de cette division, on aura deux sortes de gamètes. Des gamètes qui ont deux chromosomes 21, et bien sûr, c'est anormal. Le gamète doit avoir un seul chromosome. Et des gamètes qui n'ont pas de chromosome 21. عصبية المتماثلة هاجرت في نفس الاتجاه للحصول على أمشاج بها صبغيي 21 وأمشاج أخرى لا تتوفر على هذا الصبغي نهائيا تتوفر طبعا على الصبغيات الأخرى ما عدا الصبغي رقم 21 Donc on aura des gamètes soit N-1, ça veut dire qu'il manque le chromosome numéro 21, soit N plus 1, un chromosome de plus. Le deuxième cas anormal aussi, la division réductionnelle s'effectue de façon normale, mais c'est la division équationnelle qui est anormale. Après le clivage des centromères, les deux chromosomes fils migrent vers le même pôle. Il n'y a pas séparation des deux chromosomes fils. Même chose, on aura des gamètes qui ont deux chromosomes 21 et des gamètes qui n'ont aucun chromosome 21. Donc, lors de la fécondation, la rencontre d'un gamète normal qui contient un seul chromosome 21 avec un gamète anormal qui contient deux chromosomes 21. Il va donner quoi d'après vous? Bien sûr, elle va donner un œuf anormal qui contient trois chromosomes 21. Donc, عند الإخصاب سنحصل على خلية بيضاء تتوفر على ثلاث صبغيات 21. Et cette anomalie de séparation des chromosomes numéro 21 peut s'observer chez le père comme elle peut s'observer chez la mère. Donc ici, c'est le gamète mâle qui est anormal, donc 23 chromosomes asexuels au lieu de 22 dans le cas normal, et le gamète femelle est normal, 22A plus X. Et on a un deuxième cas, c'est le gamète mâle qui est normal, et c'est le gamète femelle qui est anormal, qui est 23A. Donc les gamètes anormaux peuvent provenir soit du père, soit de la mère. Donc la trisomie 21 résulte de la non-disjonction des chromosomes 21, عدم افتراق الصبغيات 21, au cours de la méiose chez l'un des parents. Les deux chromosomes de la même paire ne se séparent pas et passent ensemble dans la même cellule fille. الصبغيين رقم 21 لا يفترقان ويتجهان نحو نفس الخلية البنت. Cela peut se produire lors de la division réductionnelle, on en a phase 1, ou bien lors de la division équationnelle, comme on a vu ici, dans le cas de la division réductionnelle et ici dans le cas de la division équationnelle.
en anaphase 2. Ainsi se forment des gamètes possédant deux chromosomes 21. La fécondation d'un gamète anormal par un gamète normal entraîne la formation d'un œuf ayant trois chromosomes 21. Autre exemple de variation du nombre de chromosomes, mais cette fois-ci sexuel, c'est Brietta jonesia. Exemple, le syndrome de Turner et de Klinefelter. Mutele zimet Turner wa Klinefelter. Observez ici ce karyotype. Qu'est-ce que vous constatez ici? On a un seul chromosome X. Donc, il s'agit d'une femelle, on sait, mais il manque un chromosome X. On parle de syndrome de Turner. Donc, la femme ici, il manque un chromosome X. Et donc, sa formule chromosomique sera 2N-1, qui est égal à 44 chromosomes asexuels, 44A, autosomes, plus X. Donc, le syndrome de Turner est une anomalie chromosomique entraînant le plus souvent une petite taille, un chedoud zibrig, ila qisar al-qama, et un défaut de fonctionnement des ovaires, wahtilal fi wadifat al-mabid, ainsi que des anomalies du cœur et des reins. Observons le deuxième karyotype. Observez ici les chromosomes sexuels. On a ici X, XY, trois chromosomes sexuels. Donc, il s'agit d'un mâle puisqu'il contient le chromosome Y, mais il présente des anomalies. On parle de syndrome de Klinefelter. Donc, son karyotype sera 2N plus 1 puisqu'il y a un chromosome de plus. 2N plus 1 est égal 44A, ça veut dire le nombre d'autosomes est normal, plus XXY, ici un chromosome X de plus. Et le nombre total sera 47 chromosomes au lieu de 46 en cas normal. Donc le syndrome de Klinefelter est une anomalie chromosomique dont les symptômes, l'arad, on peut citer une taille au-dessus de la moyenne, بالنسبة للقامة هنا تكون أطول من المتوسط مقارنة مع إخوته مثلا. Une augmentation des glandes mammaires, نمو الغدد الثدية يعني نمو الصدر. Infertilité, عدم القدرة على الإنجاب أي العقم. Et l'ostéoporose, بعض الأمراض كهشاشة العظام. Donnez la formule chromosomique correspondante à chaque karyotype. Donc ici, on a dit qu'il s'agit d'un chromosome sexuel de moins, donc 2N moins 1, est égal à 44A plus X. Ceci, bien sûr, dans le cas de Turner. Dans le cas de Klinefelter, on a 2N plus 1. On a un chromosome X de plus. Donc, il sera 2N plus 1 est égal à 44A plus X, X et Y. Donc, la formule chromosomique de l'individu atteint de Klinefelter, 2N plus 1 est égal à 44A plus X, X, Y. Proposer une explication pour l'origine ASL de ces deux anomalies en considérant seulement la paire de chromosomes sexuels. Donc, comme on a vu pour la trisomie 21, là aussi, on a ici le cas normal. Les chromosomes XY chez le père, ils vont se séparer lors de la méiose pour obtenir deux types de gamètes. Le premier type contient le chromosome X, le deuxième contient le chromosome Y. Mais il y a des cas où les chromosomes sexuels ne se séparent pas, soit chez le père, comme dans le cas ici, les deux chromosomes XY migrent vers le même pôle de la cellule pour obtenir à la fin des gamètes qui contiennent XY et des gamètes qui ne contiennent aucun chromosome sexuel. Ce problème peut s'observer aussi chez la mère, où les chromosomes XX vont migrer vers l'un des deux pôles pour donner des gamètes qui ont deux chromosomes XX et des gamètes qui ne contiennent aucun chromosome sexuel. Donc, lors de la fécondation, si un mâle normal contient un chromosome Y, va féconder avec femelle anormale qui contient deux chromosomes XX. Qu'est-ce qu'on aura? On aura ici trois chromosomes sexuels dans l'œuf, 2XX et Y. Et ça va donner le syndrome de Klinefelter. Si par contre, le gamète mâle qui contient le chromosome X ici, ce qui est normal, fécond avec un gamète anormal de la femme qui ne contient aucun chromosome sexuel,
Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura une cellule œuf qui contient un seul chromosome sexuel X. Et dans ce cas, on aura le syndrome de Turner. Donc, le syndrome de Turner et Klinefelter résulte de la non-disjonction des chromosomes sexuels, au cours de la méiose chez l'un des deux parents, soit la mère, soit le père. Donc, on va voir le deuxième type d'anomalie chromosomique, c'est les anomalies de structure, chudodettes, fibinettes, acébriettes. Donc, prenons le premier exemple. Observez ce caryotype. Observons la paire numéro 5. Donc, ici, c'est le chromosome normal, la taille normale du chromosome. Et celui-là, son chromosome homologue, qu'est-ce que vous constatez? Il est plus court, Axar. Donc, il manque une partie ici. Donc, ici, on a une anomalie qui résulte de la perte ou bien la délétion d'un segment chromosomique, Fouqdan Qit'amina. Et cette perte a entraîné une maladie appelée cri de chat, Soyah Al-Qittan. Le karyotype de l'individu ici A présente une délétion, Fouqdan, d'un fragment du chromosome numéro 5. Observons le deuxième karyotype. Qu'est-ce que vous constatez ici? On a un seul chromosome 21. Mais observons ici le chromosome numéro 14. Ici, c'est la taille normale. Et ici, on constate qu'on a un cas anormal. Donc, on a ici le chromosome 14 sur lequel il s'est fixé le chromosome 21. On parle de translocation chromosomique. Intiqal sibri. Lorsqu'un chromosome ou bien une portion de chromosome se fixe sur un autre, on parle de translocation chromosomique. Le karyotype de l'individu B présente une translocation intégrale du chromosome 21 sur le chromosome 14. Dans notre cas ici, on parle d'une maladie de cri de chat. Et la formule chromosomique ici, elle est normale. 2N est égal à 46 chromosomes. Mais on a l'absence d'un ensemble de gènes, ce qui va entraîner un ensemble d'anomalies pour la personne atteinte de ce type de délétion. Donc, pour l'individu A, ici, la perte d'un fragment de chromosome numéro 5 est accompagnée de perte d'un certain nombre de gènes. Et donc, cet individu aura un phénotype anormal. Il s'agit de la maladie du cri de chat. Parmi les symptômes de cette maladie, on a un retard mental aigu. Tête anormalement petite. Et les enfants atteints de cette maladie poussent des cris semblables à des miaulements. Pour le deuxième exemple, où on a vu la translocation du chromosome numéro 21 sur le chromosome numéro 14, donc ici, il n'y a ni perte ni gain de gènes. Donc, le phénotype sera normal. Et on parle de translocation chromosomique équilibrée. Puisqu'il n'y a ni perte ni gain de chromosomes ou bien de gènes. Donc, pour l'individu B, il n'y a pas d'anomalie clinique. ليست هناك شدودات كلينيكية chez le sujet porteur car il n'y a ni perte ni gain de matériel génétique. ليس هناك لا ربح ولا فقدان مادة وراثية. On dit que la translocation est équilibrée. أنا أقول هذا الانتقال فهو متوازن. Donc, où est le problème pour cette personne-là? أين يتجلى المشكل إذن؟ Observons les résultats de la méiose en considérant les paires 21 et 14 chez cette personne-là, on a ici le karyotype d'une personne atteinte de la translocation chromosomique équilibrée. Le chromosome 21, il est fixé sur le 14. Donc, prenons la cellule mère
de cet individu en tenant compte que des deux paires de chromosomes 21 et 14. Donc, on aura ici la cellule mère des gamètes dont les chromosomes ont subi une translocation. On va considérer que la paire numéro 14 est la paire numéro 21. Donc, l'un des chromosomes 21 est fixé sur le chromosome 14. Donc, d'après vous, quels sont les gamètes que va produire cette personne-là? À partir de cette cellule mère, quels sont les gamètes qu'on peut obtenir? Bien sûr, cette cellule, pour donner les gamètes, elle va subir la méiose. Au cours de la méiose, on sait que les chromosomes homologues se séparent. Donc, le premier cas, les deux chromosomes 14 vont se séparer. Le premier, elle porte 21, considérant qu'il va migrer avec 21 celui-là. Donc, on va obtenir un gamète qui contient le chromosome 14 qui porte le 21 et le chromosome 21 celui-là qui est libre. Dans ce cas-là, le deuxième gamète aura bien sûr un seul chromosome 14. Donc, il sera ainsi, le deuxième gamète. Puisque celui-là migre avec celui-là, donc il reste celui-là qui va migrer seul vers l'autre pôle. Bien sûr, en tenant compte que les deux paires de chromosomes 14 et 21, bien sûr, il y a les autres chromosomes. La deuxième possibilité, c'est que le chromosome 14, celui-là, qui va migrer avec le 21. Donc, dans ce cas, on va obtenir aussi deux types de gamètes. Le 14 avec le 21, d'une part, et d'autre part, le 14 qui porte le 21. Donc, soit on obtient le 14 qui porte le 21, soit celui-là 14 avec le 21, le quatrième type de gamètes. Donc, on aura quatre types de gamètes ainsi. Observons ces gamètes. Observez celui-là. Il est normal. Il porte un chromosome 14 et un chromosome 21. Donc, c'est un gamète qui est normal. Observons ces trois-là. Observez celui-là. Bien sûr, il n'est pas normal. Le chromosome 21, il est fixé sur le 14. Donc, c'est anormal. Observez celui-là. Il ne contient pas le chromosome 21. Donc, il est anormal. Et celui-là, qu'est-ce que vous constatez? Il porte deux chromosomes 21. Là aussi, il est anormal. Donc, ces trois-là sont anormaux. Donc, on a ici trois types de gamètes anormaux que peut produire cette personne qui a cette translocation équilibrée. Et bien sûr, puisqu'on a des gamètes anormaux, on aura des cellules œufs anormales et des individus anormaux. Par exemple, si celui-là va féconder un normal, normal sera comme celui-là. On aura un enfant atteint par une translocation équilibrée. Il aura deux chromosomes 21, deux 14, mais le 21 est fixé sur le 14. Donc, son caryotype sera comme celui-là. Si ce gamète-là est fécond le gamète normal, dans ce cas, on n'aura qu'un seul chromosome 21. On parle de monosomie 21. Et c'est un cas anormal aussi. Observons ce cas-là. Si ce gamète fécond avec un gamète normal comme celui-là, donc qu'est-ce qu'on aura? On a deux déjà chromosomes 21 dans son gamète, qui s'ajoute troisième 21 de l'autre gamète qui est normal. Donc, on aura une trisomie 21, mais on dit qu'elle est masquée. Tout le temps, c'est vrai. Al-Wahid wa Yishroun, ou elle a qu'une moqnaa. Et en afkharita, c'est vrai. Ça nous l'a fait, zauj mina, c'est vrai, al-Wahid wa Yishroun. Ou elle est mina, al-Wahla, al-Oula, yumkin, en nata'arraf à la sibri thalith. Donc, ce gamète-là, il est à l'origine de la trisomie 21 masquée. Et le caryotype de ce cas-là est ainsi. Ici, on observe la paire de chromosomes 21, mais il y a un autre chromosome 21 qui est fixé sur le 14. Donc, il s'agit bien d'une trisomie 21. Les personnes qui ont une translocation équilibrée ne souffrent d'aucune anomalie physique ou retard mental. Tel ashras ladina yu'anuna min intiqal sibri mutawazin la yu'anuna min ay shudud sawa'an jasadi aw ta'akhur 'aqli. Mais elles peuvent produire des gamètes anormaux. Walakin yumkin an yuntiju
أمشاج غير عادية كما تلاحظون هنا et ainsi elles peuvent donner des enfants avec des anomalies chromosomiques. فبالتالي يمكن أن ينجبوا أطفالا مصابين بشدودات صبغية. Après qu'on a vu quelques exemples des anomalies chromosomiques, on va voir le diagnostic prénatal des maladies génétiques. التشخيص قبل الولادة للأمراض الوراثية. Et on va commencer par les cas nécessitant la pratique d'un diagnostic prénatal. ما هي الحالات التي تستوجب القيام بهذا التشخيص قبل الولادة؟ يعني تشخيص قبل الولادة أي في المرحلة الجنينية أو الحاملية يعني في فترة الحمل لمعرفة هل الجنين عادي أم يحمل شدودا صبغيا. Donc les cas nécessitant ce diagnostic, le diagnostic prénatal est l'ensemble des techniques permettant d'identifier des anomalies pendant la grossesse. التشخيص قبل الولادة مجموعة تقنيات تمكن من الكشف عن بعض الشدودات خلال مرحلة الحمل. Parmi les cas nécessitant la pratique d'un diagnostic prénatal, on cite من بين الحالات التي تتطلب هذا التشخيص نذكر Les parents ont déjà donné naissance à un enfant atteint d'une anomalie chromosomique. إذا عائلة ما سبق لها وأن أنجبت ابنا مصابا بشدود صبغي. D'une maladie héréditaire, أو مرض وراثي. Ou d'une malformation congénitale, أو تشوه خلقي. يكون المولود مصابا بتشوه. L'un des parents est porteur d'une anomalie chromosomique ou bien d'une maladie héréditaire. أو أحد الآباء يحمل شدود صبغي أو مرض وراثي. Quand l'âge de la mère enceinte dépasse 38 ans. عندما يتعدى عمر السيدة الحامل 38 سنة. لأن احتمال الإصابة بالثلاثي الصبغي 21 تزيد في هذه الحالة كلما زاد سن السيدة. Les techniques de ce diagnostic et l'intérêt de chacune. تقنيات التشخيص وأهمية كل واحدة. La première technique, c'est l'échographie. التشخيص بالصدى. Ici, on envoie des ultrasons vers le fœtus. يتم إرسال موجات فوق صوتية. Et ces ultrasons, ils sont réfléchis par l'organe et captés par une sonde liée à l'ordinateur qui traduit les différents signaux par des photos montrant les couleurs de l'organe et sa structure détaillée. يتم إرسال موجات فوق صوتية. هذه الموجات تعكس من طرف أعضاء الجنين فتستقبل لتحول إلى حاسوب يترجمها إلى صور ملونة للجنين. On a ici un exemple. Ici, on a un embryon normal, جنين عادي. Ici, on a un embryon qui présente une anomalie. Observez ici, on a un épaississement au niveau de la nuque de cet embryon, ce qui est anormal par rapport à le cas normal ici. Et c'est un indice de la trisomie 21. Donc, هنا تلاحظون سمك غير عادي تحت الجلد خلف العنق مقارنة مع الحالة العادية هنا وهذه علامة من علامات ثلاثي الصبغي 21. Donc parmi les techniques du diagnostic prénatal, on a من بين تقنيات التشخيص قبل الولادي لدينا l'échographie, التشخيص بالصدى consiste à envoyer des ultrasons dans la direction du fœtus et de collecter les ondes réfléchies et les transformer en images. إذن تتجلى في إرسال موجات فوق صوتية في اتجاه الحامل واستقبال الموجات المنعكسة لتتحول إلى صور. Cette technique permet de suivre le développement du fœtus et de mettre en évidence certaines malformations concernant la morphologie du fœtus. هذه التقنية تمكن من تتبع تطور الحامل والكشف عن بعض التشوهات المرتبطة بشكل الحميل. Exemple, on peut déceler la trisomie 21 par un épaississement anormal, comme vous voyez ici, au niveau de la nuque. La nuque, القفا, المنطقة خلف العنق. Autre technique de la diagnostic, on a ici le prélèvement des cellules de fœtus, soit par une technique de l'amniocentèse. Donc, هنا يتم الحصول على خلايا الجنين. إما من خلال
السائل الذي يتواجد فيه الجنين الذي يضم بعد خلايا الجنين. Donc l'amniocentèse, technique qui consiste à prélever du liquide amniotique, سائل سلوي الذي يطفو بداخله الجنين, dans lequel se trouvent les cellules du fœtus, حيث تتواجد خلايا الجنين. Soit par la chorio-synthèse, ça veut dire ici le prélèvement de quelques cellules du placenta. Le placenta ou le machima, التي تغذي الجنين, المرتبطة برحم الأم هنا, يتكون من خلايا جنينية. وبالتالي الحصول على خلايا من هذه المشيمة سيمكننا من معرفة هل هذا الجنين عادي أم يحمل شذوذات صبغية. La choriosynthèse, prélèvement d'un fragment du placenta. La troisième technique, c'est la cordosynthèse. Ici, le prélèvement du sang du cordon ombilical. هنا يتم الحصول على دم الحميل من الحبل السري, الحبل الذي يربط الحميلة بالمشيمة. والهدف هو تحليل هذا الدم ومعرفة هل هذا الجنين عادي أم يحمل بعض شذوذات صبغية أو الأمراض الوراثية. Donc la cordosynthèse consiste à prélever un échantillon de sang fœtal à partir du cordon ombilical, الحبل السري, pour une analyse chimique, من أجل تحليل كيميائي, par exemple le taux élevé de certaines protéines comme ACG et AFP est un indicateur de la trisomie 21. Donc, مثلا, النسبة العالية في بعض البروتينات كالACG والAFP هي مؤشر على ثلاثي الصبغي الواحد والعشرون. Ces trois techniques permettent d'obtenir des cellules fœtales en vue de réaliser divers examens. التقنيات الثلاث التي ذكرنا تمكن من الحصول على خلايا الحميل من أجل إنجاز مجموعة من الاختبارات, comme la préparation du karyotype, كإنجاز خرائط صبغية, et le marquage chromosomique, technique d'analyse d'ADN, تقنية لتحليل الأدن, pour rechercher les mutations, للبحث عن طفرات, et des anomalies chromosomiques, وشذوذات صبغية, لمعرفة إذا ما كان الحميل عادياً أم يحمل بعض الأمراض الوراثية أو الشذوذات الصبغية. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.